Bonjour, chers élèves de Troncoma Sciences Bio. Aujourd'hui, on va expliquer le cours de la gravitation universelle. Donc, grand 1. Échelle des longueurs. Petit 1, écriture scientifique. Donc l'écriture scientifique d'un nombre s'écrit sous la forme de A 10 à la puissance n, tel que A, un nombre décimal. Et A, supérieur ou égal à 1, et inférieur strictement à 10. Petit n, un entier relatif. Donc, exemple, nombre écriture scientifique. Donc, par exemple, 219 38 273 0,056 et 8,043. Donc l'écriture scientifique de 219, c'est 2,19 fois 10 à la puissance 2. Et l'écriture scientifique donc, de 38 273, c'est 3,8273 fois 10 à la puissance 4. Et l'écriture scientifique de 0,056, c'est 5,6, 10 à la puissance moins 2. Et finalement, l'écriture scientifique de 8,043, c'est 8,043, 10 à la puissance 0. Voilà. Petit 2, ordre de grandeur. Ordre de grandeur.
Donc, l'ordre de grandeur d'un nombre, c'est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Je répète, l'ordre de grandeur d'un nombre, c'est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Donc, pour bien comprendre, on prend par exemple un axe de nombre. Donc, par exemple, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. Donc 100, c'est 10 à la puissance 2. Et 1000, 10 à la puissance 3. Donc, d'après la définition, l'ordre de grandeur d'un nombre, c'est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. On prend on prend 200, par exemple. Donc, 200, elle est plus proche de 10 à la puissance 2 que 10 à la puissance 3. Donc, 200, elle est proche de 10 à la puissance 2. Donc, l'ordre de grandeur de 200, c'est 10 à la puissance 2. 800. Donc, 800, elle est proche de 10 à la puissance 3 que 10 à la puissance 2. Donc, l'ordre de grandeur de 800, c'est 10 à la puissance 3. 900, l'ordre de grandeur de 900, c'est 10 à la puissance 3. 700, c'est 10 à la puissance 3. Il est plus proche de 10 à la puissance 3 que 10 à la puissance 2. 600, proche de 10 à la puissance 3. Donc, l'ordre de grandeur de 600, c'est 10 à la puissance 3. 300, proche de 10 à la puissance 2. Donc, l'ordre de grandeur de 300, c'est 10 à la puissance 2. 400, elle est proche de 10 à la puissance 2. Donc, l'ordre de grandeur de 400, c'est 10 à la puissance 2. L'écriture scientifique du 200. C'est 2, 10 à la puissance 2. L'écriture scientifique de 300. 3, 10 à la puissance 2. L'écriture scientifique de 400. 4, 10 à la puissance 2. L'écriture scientifique de 600. 6, 10 à la puissance 2. L'écriture scientifique de 700. C'est 7, 10 à la puissance 2, 800, 8, 10 à la puissance 2, et l'écriture scientifique de 900, c'est 9, 10 à la puissance 2. Donc, comment déterminer l'ordre de grandeur d'un nombre à partir de l'écriture scientifique de ce nombre? Donc, par exemple, 200. A égale à 2. Et l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 2. 300. A égale 3. L'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 2. Par contre, pour 700, A égale à 7. Et l'ordre de grandeur de 700, c'est 10 à la puissance 2 plus 3. C'est 10 à la puissance 2 plus 1. C'est qui est égal à 10 à la puissance 3. Donc, en général, l'ordre de grandeur d'un nombre s'écrit sous la forme de A 10 à la puissance n. Si A inférieur strictement à 5, alors l'ordre de grandeur
L'ordre. De grandeur. De ce nombre. Et A est 10 à la puissance n. Ici A. Supérieur à 5. Alors, l'ordre de grandeur de ce nombre est 10 à la puissance n plus 1. 10 à la puissance n plus 1. Donc, par exemple, 800, l'écriture scientifique de 800, c'est 8 10 à la puissance 2, 8 supérieur à 5, donc l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 2 plus 1, qui est égal à 10 à la puissance 3. Pour 300, A inférieur à 5, donc l'ordre de grandeur de ce nombre, c'est 10 à la puissance n, qui est égal à 10 à la puissance 2. Pour 500, l'écriture scientifique de 500, c'est 5 10 à la puissance 2. Donc, si A égale à 5, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance n plus 1. Donc, si A supérieur égale à 5, l'ordre de grandeur de ce nombre égale 10 à la puissance n plus 1. Remarque. Pour comparer deux distances, par exemple T1 et T2, avec T1 supérieur à T2, donc on fait la division de la plus grande distance sur la plus petite distance. Si le quotient de cette division est égal à A 10 à la puissance n, donc ces deux distances se distinguent par une valeur de n ordre de grandeur. Donc, par exemple, si on veut comparer le diamètre d'un globule rouge, diamètre d'un globule rouge. Donc T1 égale à 0,007 mm. Avec le diamètre de la Terre. Le diamètre de la Terre. T2 égale 12 800 km. Donc, pour comparer le diamètre d'un globule rouge et le diamètre de la Terre, on fait la division de la plus grande distance sur la plus petite distance. Donc, la plus grande distance, c'est le diamètre de la Terre, D2. La plus petite distance, c'est le diamètre de la globule rouge, D1. Donc, D1, D2 sur D1. La plus grande distance sur la plus petite distance, égale. D2, c'est 12 800 km. Et T1, c'est 0,007 mm.
égal. Donc, 12 800, 1 km égale 10 à la puissance 3 mètres. Donc, 1 km égale 10 à la puissance 3 mètres. 1 km égale 1000 mètres, 10 à la puissance 3. Donc, le diamètre de la Terre égale à 12 800, 10 à la puissance 3 mètres. D1, 0,007 mm. Et 1 mm égale 10 à la puissance moins 3 mètres. Donc 1 mm égale 10 à la puissance moins 3 mètres. Voilà. Donc égale 12 800, c'est 1,28 fois 10 à la puissance 4. 1,28 fois 10 à la puissance 4, c'est l'écriture scientifique de 12 800 fois 10 à la puissance 3. L'écriture scientifique de 0,007, c'est 7, 10 à la puissance moins 3, fois 10 à la puissance moins 3. Donc, D2 sur D1 égale 1,28 fois 10 à la puissance 7 sur 7 fois 10 à la puissance moins 6. Ce qui implique que D2 sur D1 égale 1,28 sur 7 fois 10 à la puissance 7 fois 10 à la puissance 6. Donc, elle est égale à 1,28 sur 7 fois 10 à la puissance 13. Donc, D2 sur D1. Égale 1,83 fois 10 à la puissance 12. Donc T2 sur T1 est à peu près égal à 1,83 fois 10 à la puissance 12. Donc, D1 et D2 se distinguent par une valeur de 12 ordres de grandeur. Petit 3. L'échelle des longueurs de l'univers. Trois un. Unité des longueurs.
Donc, dans le système international, dans le système international, SI, système international. L'unité. De longueur. Et le mètre. De symbole. Petit m. Mais on exprime souvent les longueurs avec les multiples et les sous-multiples du mètre. Donc, les multiples du mètre. Les multiples du mètre. Le nom, la valeur et le symbole. Kilomètre. Un kilomètre égale 10 à la puissance 3 mètres, du symbole grand K petit m. Mégamètre. Un mégamètre égale 10 à la puissance 6 mètres, du symbole grand M, petit m. Gigamètre. Un gigamètre égale à 10 à la puissance 9 mètres, du symbole grand G, petit m. Téramètre. Un téramètre égale 10 à la puissance 12 mètres, de symbole grand T petit m. Voilà des multiples du mètre. Les sous-multiples du mètre. Donc, les sous-multiples du mètre. Le nom, la valeur et le symbole. Millimètre. Un millimètre égale 10 à la puissance moins 3 mètres, du symbole petit m petit m.
Micromètre. Un micromètre égale 10 à la puissance moins 6 mètres. Du symbole mu m. Mu m. Nanomètre. Un nanomètre égale 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc 10 à la puissance moins 9 mètres. Du symbole petit n, petit m. Picomètre. Un picomètre égale 10 à la puissance moins 12 mètres. Du symbole petit p, petit m. Femtomètre. Femtomètre. Un femtomètre égale 10 à la puissance moins 15 mètres. Du symbole petit f, petit m. Donc voilà des multiples et des sous-multiples de mètres. L'unité astronomique. Unité astronomique. Donc, l'unité astronomique du symbole UA, c'est la distance moyenne entre le centre de la Terre et le centre du Soleil. Donc, l'unité astronomique, c'est la distance moyenne qui sépare le centre de la Terre et le centre du Soleil. Donc voilà le centre de gravité du Soleil et le centre de gravité de la Terre. Donc l'unité astronomique, c'est la distance moyenne qui sépare le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité du Soleil. Donc la distance Terre-Soleil égale à 1 UA. L'unité astronomique. Donc, 1 UA égale à 150 fois 10 à la puissance 6 km. Donc, l'unité astronomique égale à 150 10 à la puissance 6 km. Donc, 150 10 à la puissance 6 km, c'est la distance moyenne entre le centre de la Terre et le centre du Soleil. 3-3. Année-lumière. Donc, l'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière au cours d'une année avec sa vitesse, c'est égal 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Donc, je répète, l'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière au cours d'une année avec sa vitesse. Donc la vitesse de la lumière, c'est égal 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde.
Très bien. Donc, quelle est la valeur de l'année-lumière? Donc, par exemple, pour bien comprendre, on prend l'exemple de la vitesse moyenne, l'expression de la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne V égale à D sur delta T. V égale à D sur delta T. Donc, D égale à V fois delta T. Donc, l'année-lumière, c'est la distance. Donc, l'année-lumière, c'est une distance. Donc, on remplace D par AL, année-lumière, égale. Donc, l'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière avec sa vitesse dans le vide. Donc, la vitesse de la lumière de l'ovide, c'est C. Donc, on remplace V par C. Au cours d'une année. Donc, delta T, la durée, égale une année. Voilà. Donc, une année-lumière égale C. C'est 3 10 à la puissance 8 fois une année. Donc une année égale 365 jours. Et un jour égale 24 heures. Et une heure égale 3600 secondes. Donc, égale, l'année-lumière, elle est à peu près égale à 9,5 fois 10 à la puissance 15 mètres. Donc, voilà la valeur de l'année-lumière. Donc, une année-lumière égale à 9,5, elle est à peu près égale à 9. 5 fois 10 à la puissance 15 mètres. Donc 9,5 fois 10 à la puissance 15 mètres, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide au cours d'une année, bien pendant une année. 3 à 4. Axe. L'échelle des longueurs. Bon, pour décrire l'univers, les physiciens construisent une échelle des longueurs, de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Cet axe est gradué en puissance de 10. Donc, pour bien comprendre, on va faire une petite application. Question numéro 1. Complétez le tableau suivant. Distance. Valeur. L'écriture scientifique, A 10 à la puissance N, et l'ordre de grandeur. Ordre de grandeur. Donc, la taille d'un homme.
Ah oui. D'un homme. Un virgule 70 mètres. Dimension? D'une forme. Quatre millimètres. Altitude. De la tour. Hassan. Quarante-quatre virgule 3 mètres. Altitude. De Toubkal. Quatre virgule 16 kilomètres. Dimension. Du rhinovirus. Rhinovirus. 100 nanomètres. Diamètre d'un globule rouge. 10 mètres. D'une globule rouge. 7 micromètres. 7 micromètres. Diamètre de la Terre. Diamètre. 12 800 kilomètres. 12 800 kilomètres. La distance moyenne Terre-Soleil. 150 10 à la puissance 9 mètres. Donc, l'écriture scientifique de la taille d'un homme, c'est 1,7 au 10 à la puissance 0 mètres. Donc, l'écriture scientifique en mètres. Aussi, l'ordre de grandeur en mètres. Voilà. 4 mm, c'est 4 et 1 mm égale à 10 à la puissance moins 3 mètres. Donc, c'est 4, 10 à la puissance moins 3 mètres. Donc, l'ordre de grandeur de la taille d'un homme, A égale à 1,7, il est inférieur strictement à 5. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance n, qui est égal à 10 à la puissance 0 mètres.
L'ordre de grandeur de la dimension d'une fourmi, c'est 10 à la puissance moins 3. Car A qui est égal à 4, inférieur strictement à 5. L'altitude de la tour Hassan, donc l'écriture scientifique de 44,3 mètres, c'est 4,43 fois 10 à la puissance 1 mètres. Et l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 1, car 4,43 il est inférieur strictement à 5. Pour l'altitude de Tchoukal, 4,16 km. Donc 1 km égale à 10 à la puissance 3 mètres. Et l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 3, car 4,16 inférieur à 5. Dimension du rhinovirus. Donc 100 nanomètres égale. Donc 100. 1 nanomètre égale à 10 à la puissance moins 9 mètres. Et 100, c'est 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc 100 nanomètre égale 10 à la puissance moins 7 mètres. Donc l'écriture scientifique de 100 nanomètres, c'est 1 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Donc 1 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Et l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance moins 7, car A, qui est égal à 1, elle est inférieure strictement à 5. 7 micromètres. Donc 7 et 1 micromètre, c'est 10 à la puissance moins 6 mètres. Donc 7 fois 10 à la puissance moins 6 mètres. Et l'ordre de grandeur de ce nombre égale à 10 à la puissance moins 6 plus 1. Car 7 est supérieur à 5. Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance n plus 1, qui est égal à 10 à la puissance moins 6 plus 1, qui est égal à 10 à la puissance moins 5. 10 à la puissance moins 5 mètres. Pour le diamètre de la Terre, 12 800 km. Donc, 12 800 km égale. 12 800, c'est 1,28 fois 10 à la puissance 4. Et 1 km égale à 10 à la puissance 3 mètres. Donc 12 800 km égale à 1,28 fois 10 à la puissance 7 mètres. Donc l'écriture scientifique de 12 800 km, c'est 1,28 fois 10 à la puissance 7 mètres. Et l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 7, car 1,28 est inférieur strictement à 5. Pour la distance moyenne Terre-Soleil, 150 10 à la puissance 9. Donc 150, c'est 1,5 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 9. Donc l'écriture scientifique, c'est 1,5 fois 10 à la puissance 11 mètres. Et l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 11, car 1,5 inférieur strictement à 5. La question numéro 2, représenter ces distances sur l'axe de l'échelle des longueurs. Donc, question numéro 2, représenter ces distances sur l'axe de l'échelle des longueurs. Donc, l'axe de l'échelle des longueurs, c'est un axe gradué en puissance de 10. Donc, un axe gradué en puissance de 10. Donc, 10 à la puissance moins 7, 10 à la puissance moins 6, 10 à la puissance moins 5, 10 à la puissance moins 4, 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance
moins 2, 10 à la puissance moins 1, 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 4, 10 à la puissance 5, 10 à la puissance 6, 10 à la puissance 7, 10 à la puissance 8, 10 à la puissance 9, 10 à la puissance 10, 10 à la puissance 11 et 10 à la puissance 12. Donc, sur l'axe de l'échelle de longueur, on représente seulement l'ordre de grandeur. Donc, l'ordre de grandeur de la taille d'un nombre, c'est 10 à la puissance 0. Donc, 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 0, taille d'un nombre. Voilà. L'ordre de grandeur de la dimension d'une fourmi, c'est 10 à la puissance moins 3. Donc 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance moins 3, dimension d'une fourmi. Dix à la puissance 1, c'est l'ordre de grandeur de l'altitude de la tour Hassan. Donc, 10 à la puissance 1, altitude de la tour Hassan. À la puissance 3, c'est l'altitude de Toubqal. Donc 10 à la puissance 3, altitude de Toubqal. Dix à la puissance moins 7, c'est l'ordre de grandeur de la dimension du rhinovirus. Donc, 10 à la puissance moins 7, moins 7, moins 7, dimension du rhinovirus. Rhinovirus. Voilà. 10 à la puissance moins 5, diamètre d'un globule rouge. 10 à la puissance moins 5, diamètre d'une globule rouge. Dix à la puissance 7, diamètre de la Terre. Dix à la puissance 7, diamètre
de la Terre. Dix à la puissance 11, c'est la distance moyenne Terre-Soleil. 10 à la puissance 11, c'est la distance moyenne Terre-Soleil. Donc voilà l'axe de l'échelle de longueur. Grand 2, loi de la gravitation, loi de la gravitation universelle. C'est la loi de Newton. En 1687. Donc la loi de la gravitation universelle, c'est un phénomène selon lequel tous les corps matériels s'attirent réciproquement. C'est-à-dire, chaque corps exerce une force sur l'autre corps. Autrement dit, chaque corps attire vers lui l'autre corps. Cette force, elle est proportionnelle à la masse des deux corps. Donc, si la masse est grande, la force est grande. Si la masse est petite, la force est petite. Cette force est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les centres de gravité des deux corps. C'est-à-dire, si la distance entre les centres de gravité des deux corps augmente, la force diminue. Et si la distance entre les centres de gravité des deux corps diminue, la force augmente. Donc, par exemple, on considère deux corps sphériques, A et B. Donc, le corps A de masse MA et le corps B de masse MB. O, c'est le centre de gravité du corps A. O prime, c'est le centre de gravité du corps O'. Petit d, c'est la distance qui sépare les centres de gravité des deux corps. Donc, petit d, c'est la distance qui sépare les centres de gravité des deux corps. Donc, le corps A de masse MA et le corps B de masse MB. Donc, il existe une force d'attraction entre les deux corps. Donc, le corps A exerce une force d'attraction sur le corps B et le corps B exerce une force d'attraction sur le corps A. Donc, on commence par la force exercée par A sur B. La force exercée par A sur B, c'est une force à distance. Donc, le point d'application de cette force, c'est le centre de gravité du corps B. Donc, la force exercée par A sur B, c'est une force à distance. Donc, le point d'application de cette force, c'est le centre de gravité du corps B. La direction de cette force, c'est la droite O'. Le sens de cette force, donc le corps A attire le corps B. Donc, le sens de cette force, c'est de O' vers O. De O' vers O.
Donc c'est F A sur B. La force exercée par A sur B. Maintenant, la force exercée par B sur A. Donc la force exercée par B sur A, c'est une force à distance. Le point d'application de cette force, c'est le centre de gravité du corps B. C'est le point O. La direction de cette force, c'est la droite O'. Le sens de cette force, donc le corps B, attire vers lui le corps A. Donc le sens de cette force, c'est de O vers O'. De O vers O'. Donc c'est F B sur A. La force exercée par B sur A. Donc ces deux forces, FA sur B et FB sur A, ont la même direction. Ont la même direction. La direction de FA sur B, c'est la droite O'. Et la direction de FB sur A, c'est la droite O'. Donc FA sur B, FB sur A ont la même direction. Le sens de FA sur B, de O' vers O. Et le sens de FB sur A, c'est de O vers O'. Donc ces deux forces ont des sens opposés. Donc des sens opposés. Ces deux forces, FA sur B et FB sur A, ont la même intensité. Donc la même intensité. Voilà. Donc l'intensité de FA sur B, l'intensité de FA sur B égale à l'intensité de FB sur A. Donc la force avec flèche, vecteur, la force, vecteur, l'intensité sans vecteur. Donc FA sur B égale à FA sur A, FB sur A égale à F. Donc F, F, c'est l'intensité commune des deux forces. F, c'est l'intensité commune l'intensité commune des deux forces. FA sur B, FB sur A. Donc la force FA sur B est la force force avec flèche FB sur A. Donc l'intensité commune de force c'est F qui est égale à FA sur B égale à FB sur A égale à grand G fois MA fois MB sur D au carré. Voilà l'expression de l'intensité de la force de la gravitation universelle exercée entre A et B.
Donc, l'expression de l'intensité commune de la force de la gravitation universelle exercée entre A et B, donc F égale à FA sur B égale à FB sur A égale grand G MA MB sur D au carré. Donc FA sur B. C'est l'intensité de la force exercée par le corps A sur le corps B en Newton. FB sur A. Donc FB sur A, c'est l'intensité de la force exercée par le corps B sur le corps A en Newton. MA c'est la masse du corps A en kilogramme. MB c'est la masse du corps B en kilogramme. Petit d, c'est la distance qui sépare le centre de gravité du corps A et le centre du corps B. En mètres. Le grand G, c'est la constante de la gravitation universelle. La constante de la gravitation universelle. Tel que grand G égale 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 dans le système international des unités. Voilà. Contrôle.
3. D'un corps. 3. D'un corps. Petit 1. Relation. Petit 1. Relation entre. Le poids, et la masse, d'accord. Donc le poids d'un corps, c'est la force exercée par la Terre sur ce corps. C'est une action à distance. Le point d'application du poids, c'est le centre de gravité du corps. La direction, c'est la droite verticale passant par le centre de gravité du corps. Et le sens, c'est vers le bas. Et l'intensité, P égale M fois G. Donc, l'expression de l'intensité du poids, c'est P égale à M fois G. Avec P, le poids du corps en newton. Petit M. C'est la masse du corps en kilogrammes. Et petit g, c'est l'intensité de la pesanteur. En newton par kilogramme. Donc le poids, c'est la force exercée par la Terre sur le corps. Petit 2. Variation. De l'intensité. De la pesanteur avec l'altitude. De 1. Activité. Donc on considère
un objet solide. Est-ce? De masse ms égale 0,5 kg situé sur la surface de la Terre, telle que l'intensité de la pesanteur sur la surface de la Terre est g égale 9,81 newton par kilogramme. Donc, on donne la masse de la Terre, Mt égale 6, 10 à la puissance, 24 kg. C'est la masse de la Terre. Le rayon de la Terre, Rt, égale 6400 km. La constante de la gravitation universelle, grand G, égale 6,67 10 à la puissance moins 11 dans le système international des unités. Et finalement, on néglige le rayon du solide. Très bien. Donc, question numéro 1. Calculer l'intensité de la force de la gravitation universelle exercée par la Terre sur le solide. Donc, le solide se trouve sur la surface de la Terre. Voilà la Terre. Le centre de gravité de la Terre. Le rayon de la Terre. RT et le solide se trouve sur la surface de la Terre. Donc, l'expression de l'intensité de la force exercée par la Terre sur le solide, FT sur S, égale grand G. Mt fois ms, la masse du corps A, c'est la masse de la Terre, fois la masse du corps B, c'est la masse du corps S, du solide, sur d au carré. Donc d, c'est la distance qui sépare le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité du corps S. Donc, petit d égale. La distance qui sépare le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité du corps S, voilà, petit d, c'est le rayon de la Terre plus le rayon du solide. Donc, c'est le rayon de la Terre plus le rayon du solide. Donc, petit d égale à RT plus petit RS. RT, c'est le rayon de la Terre, et petit RS, c'est le rayon du solide. Mais le rayon du solide est négligeable. Donc RS, il est négligeable devant le rayon de la Terre. Ce qui implique que petit d égale à RT.
Donc, l'expression finale de Ft sur S égale grand G fois Mt fois Ms sur Rt au carré. Donc, voilà l'expression finale de l'intensité de la force exercée par la Terre sur le corps S. Application numérique. F T sur S égale G 6,67 10 à la puissance moins 11 fois la masse de la Terre 6 10 à la puissance 24 fois ms c'est 0,5 sur rt c'est rt égale à 6400 km et 1 km égale à 10 à la puissance 3 mètres, le tout au carré. Voilà. Donc, Ft sur S elle est à peu près égale à 4,9 newtons. 4,9 newtons. C'est l'intensité de la force exercée par la Terre sur le corps S situé sur la surface de la Terre. Donc, question numéro 2. Calculer le poids du corps S. Donc, question numéro 2. Le poids du corps S. Donc, P égale la masse du corps S, MS, fois G. Application numérique. P égale MS, c'est 0,5. Et G, c'est 9,81. Ce qui implique que P égale 4,9 newtons. Question numéro 3. Que peut-on déduire? Donc, on a P égale 4,9 newtons. Et Ft sur S égale à 4,9 newtons. Ft sur S égale 4,9 newtons. Donc, on constate que le poids du corps égale la force d'attraction exercée par la Terre sur le corps S. Et c'est normal, c'est la définition du poids. Le poids, c'est la force d'attraction exercée par la Terre sur le corps S. Donc, M fois G, le poids égale l'expression de la force de la gravitation universelle exercée par la Terre sur le corps S. De deux, expression
de l'intensité de la pesanteur. Petit a à l'altitude h. À l'altitude h. Donc, on considère un corps solide S de rayon négligeable. Donc voilà, le corps S se trouve à l'altitude H de la surface de la Terre. Voilà la Terre, le centre de gravité de la Terre, le rayon de la Terre RT. Et le solide se trouve à l'altitude H de la surface de la Terre. Donc, on a l'expression de la force exercée par la Terre sur le corps S égale grand G fois la masse de la Terre fois la masse du corps solide sur D au carré, avec D la distance qui sépare le centre de gravité de la Terre et le corps S. Donc la distance qui sépare le centre de gravité de la Terre et le corps S, c'est le rayon de la Terre plus H. Le rayon de la Terre plus H. Donc c'est RT plus H le tout au carré. Le poids du corps S, donc P égale la masse du corps S, MS, fois G. Mais le corps S se trouve à l'altitude H, donc G, c'est l'intensité de la pesanteur à l'altitude H. C'est GH, G indice H. GH, c'est l'intensité de la pesanteur à l'altitude H. Donc, le poids d'un objet peut être identifié à la gravitation universelle exercée par la Terre sur cet objet. Donc, on sait que d'après l'activité, P égale à FT sur S. Ce qui implique que donc P égale à MS fois GH. On remplace P par MS fois GH. Égale. Et on remplace FT sur S par G fois MT fois MS sur RT plus H au carré. Donc G fois MT fois MS sur RT plus H plus au carré.
Donc, on simplifie par ms. Donc, gh égale gh égale à grand G fois MT sur RT plus H le tout carré. Donc voilà l'expression de l'intensité de la pesanteur à l'altitude H. L'expression de l'intensité de la pesanteur à l'altitude H. Donc GH égale grand G, c'est une constante, c'est la constante de la gravitation universelle. MT, la masse, c'est une constante. RT, le rayon, constant. Donc G dépend de H. G dépend de l'altitude H. Donc GH ou bien G, elle est inversement proportionnelle à l'altitude H. Si H augmente, G diminue. Si H diminue, G augmente. Donc G varie selon H. Donc GH j'ai indice H si l'intensité de la pesanteur à l'altitude H en newton par kilogramme. Voilà. Petit b, à la surface de la Terre, donc on a l'expression de GH. On a GH égale à grand G fois MT sur RT plus H plus au carré. Donc à la surface de la Terre, l'altitude égale à 0. Donc H égale à 0. Ce qui implique que G sur la surface de la Terre, G pour H égale à 0, donc c'est G0 égale à grand G fois MT sur RT plus 0 au carré. Donc c'est RT au carré. Donc voilà l'expression de l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre. Donc G0 égale à grand G, c'est une constante, MT, c'est une constante, RT, c'est une constante. Donc G0, c'est une constante. Elle est égale à 9,81 N par kilogramme. C'est l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre. Donc avec G0, l'intensité
de la pesanteur à la surface de la Terre. En newton par kilogramme. Voilà. Ceci c'est relation entre GH et G0. Donc, on a GH, l'expression de GH égale à grand G fois MT sur RT plus H le tout carré. Et G0 égale à grand G fois MT sur RT au carré. Donc, on a un système de deux équations. Ce qui implique que GH, facteur de RT, plus H, le tout carré, égale à GMT. Et G0 fois RT au carré égale à GMT. Donc on a GH, facteur de RT plus H, le tout carré, égale à GMT. Et G0 fois RT au carré égale à GMT. Ce qui implique que GH, facteur de RT plus H, le tout au carré, égale à G0 fois RT au carré. Donc, GH égale à G0 fois RT au carré sur RT plus H le tout au carré. Voilà la relation entre GH et G0, ou bien l'expression de GH en fonction de G0. Notre cours est terminé. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à très bientôt.